Matingay, c'est une femme mariée, mère de deux enfants et aujourd'hui directrice générale de VDN Tech Media. Alors VDN Tech Media est spécialisée dans le mobilier urbain, les abribus, avec allez, on va dire la publicité urbaine. Et aujourd'hui, on veut allier confort et publicité, c'est-à-dire mettre des abribus de qualité, de dernière génération pour les usagers et offrir une publicité de qualité où l'annonceur en a pour son argent. Quand tu passes, tu sais que ta publicité, elle est visible, elle est propre. Donc voilà, c'est sur cette lancée qu'on est et qu'on veut développer aussi bien au Sénégal que dans la sous-région. Que signifie VDN Tech ? Alors, VDN Tech est une abréviation qui rend hommage à Viodor Ndiaye, le père du fondateur de l'entreprise. Viodor Ndiaye était un journaliste et communicant, ayant occupé le poste de directeur de la RTS au niveau de Saint-Louis. Ainsi, VDN Tech porte son nom en reconnaissance de son influence et de son héritage dans le domaine de la communication et du journalisme. Quelles sont les missions de VDN Tech ? Alors, VDN Tech Media est spécialisé dans le mobilier urbain, les abribus, avec, allez, on va dire la publicité urbaine. Et aujourd'hui, on veut allier confort et publicité, c'est-à-dire mettre des abribus de qualité, de dernière génération pour les usagers et offrir une publicité de qualité où l'annonceur en a pour son argent. Quand tu passes, tu sais que ta publicité, elle est visible, elle est propre. Donc voilà, c'est sur cette lancée qu'on est et qu'on veut développer aussi bien au Sénégal que dans la sous-région. Et effectivement, c'est dans nos perspectives à moyen terme. Donc voilà, VDN Tech, au-delà de vendre de la publicité, est soucieux du confort de l'usager, de la qualité des prestations, de la qualité de la publicité, parce que pour une publicité, il faut une belle qualité. Et voilà, c'est sur cette lancée qu'on est, et avec tous nos collaborateurs d'ailleurs et nos clients. Et voilà, on pense qu'à long terme, on veut révolutionner la publicité. Ça, c'est, voilà, c'est notre credo. Et on pense qu'avec l'aide des populations, de nos clients, surtout de nos collaborateurs, je pense qu'on y arrivera. Quel message lanceriez-vous à vos compatriotes ? Alors, ce que j'ai dit d'habitude quand on a eu beaucoup de casse, nous, la communication a été axée essentiellement sur le bien national. Parce que moi, j'insiste là-dessus parce que VDN Tech est 100% sénégalaise. VDN Tech est 100% sénégalaise. C'est une société sénégalaise qui travaille avec des Sénégalais en partenariat avec la société sénégalaise Dakar Demdik. Et c'est un bien national. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens se sont appropriés le modèle, se sont appropriés le produit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la maman qui revient du marché avec son seau peut s'asseoir, s'abriter. Quelqu'un qui prend le bus et qui avait l'habitude d'avoir le soleil ou la pluie sur la tête, aujourd'hui peut s'abriter sous un abri. Donc c'est quelque chose pour la population. Donc si on fait quelque chose pour la population va se l'approprier. Et je pense que depuis un certain moment quand même, les gens commencent à comprendre que c'est un bien national. Et aujourd'hui, c'est des Sénégalais qui se sont investis, qui sont revenus de l'étranger, qui ont investi dans ça pour le bien du Sénégal. Et donc, je pense que c'est dans l'esprit patriotique qu'on devrait aller et prendre soin de ce bijou, on va dire.